Finalement là, en pile nan nèg yo commencé à bay politique la raison. En pile nan nèg yo commencé à praler ko yo courir quitter bateau. Gen te sorti longtemps ça, mais que t'es toujours rete caché derrière la belle alliée PHTK. Et bien gon groupe nèg, ancien sénateur, ancien député, avocat militant, gros bourgeois qui te gen franchise l'État nan men yo depuis des années, et bien là, soit pour une raison ou pour l'autre, gen ka praler ko yo. Gen qui vient jouer un rôle avant-gardiste parce que nous connaissons l'élection qui arrive très bientôt. Pour reprendre confiance dans le peuple, tout nèg vle bay vérité. Mais quelle vérité? Est-ce que son vérité, est-ce que son parole l'évangile, est-ce que son vérité absolue? Ou bien c'est une fausse vérité juste pour faire semblant que tout bagay pralé et que yo même yo te gen tan wil. Nous pral parler ou pral konnen. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Le rendez-vous incontournable de TAC 509, tout haïtien connecté. Il s'agit bien de l'émission Mon Éditorial. Moi, quand on rejoint nous encore aujourd'hui pour nous partager même inquiétudes sous pays Haïti, même rêve nous gagner pour nous taouer, on tikal stabilité politique. Yon ti kal sécurité en façon pour compatriotes haïtiens haïtiennes nou yo au moins yo ka vive bien la kayo nan communauté yo. C'est ça n'ap cherché, c'est ça n'espérer pour Haïti. Mais là nous pou kouel men ap bataille pour espoir ça pour le cap journée. Déjà m'ap di un grand merci à vous même qui fait choix de TAC 509 de émission Mon Éditorial pour y donc comprendre réalité politique là. Continuez rester connecté, partagez vidéo, quittez en commentaire, quittez en like. Merci à Wilson Wissessa TV pour montage et réalisation émission si là. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou même qui fait que nous là, m'a rappelé au sous TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Bien. Déjà, il n'y a pas un secret pour personne. Tout le monde connaît. Et ça arrive que des camps qui parlent admettre les, mais c'est une réalité, c'est un fait. Dans la façon dont nous faisons politique en dedans pays, il est évident que nous parlons classe politique. Je dis là, nous sommes contentés avec différents partis politiques. Le pour faire manifestation qui finalement décide de concerter ensemble pour mettre les gens dehors, mais le pour prendre des décisions politiques qui concerne l'avenir du pays, qui concerne l'avenir de la population haïtienne, il y a toujours une impossibilité ça pour chercher une solution commune, pour qu'on chita parler qui fait entre eux pour jouer une solution unique pour le pays. Eh bien, n'a pas rappelé nous, depuis 2017, le président Jovenel monté sous pouvoir, l'itégon groupe allié. Malgré que tu es sorti dans divers partis politiques, qui gagne des approches différentes avec le régime PHTK, mais pour une raison ou pour l'autre, yo te regroupé comme allié PHTK, comme regroupement avec PHTK dans le Parlement pour te bali un poids politique. Et dans le temps, le président Jovenel Moïse, li te gagné une majorité parlementaire, mais ça qui pas de jambe à l'accès pour le réaliser, pour le résoudre quoi que ce soit d'institutionnel, pour le régler problème pays, pour le régler problème institutionnel qui te gagne dans le Parlement, pour te arriver faire amendement constitution, pour te changer données politiques en faveur. Et puis peu à peu, majorité ça li divisé, n'a besoin jodi an des anciens sénateurs, des anciens députés, j'approuve pour PHTK, il fut un temps, mais je dis, yon campé en face pouvoir, et c'est pas sans raison. Et nous connaissons façon de faire politique ici, c'est une question d'intérêt, c'est une question d'avantage personnel. Et depuis yon manyon, depuis yon tapou, toute plume levée sous dos. Donc je dis, en politique, les diviser anciens amis,
li fè yo vin des ennemis politik, et m'ka di de manye trè clair. Se pa jodi yo pral konnen ke Reginald Boulos son fervent allié de pou Jovenel Moïse, se pa jodi yo pral konnen ke Reginald Boulos li se youn nan moun ki tap depanse l'ajan nan kanpay président Jovenel Moïse. Reginald Boulos se youn nan moun ki tap dikte koman pou kanpay politik la fèt. Se youn nan moun ki tap vann populasyon ayisyen nan l'espoi a travèr président Jovenel Moïse. Et pour quand tu t'es franchise Reginald Boulos te joindre, pour quand tu t'es terre Reginald Boulos joindre, pour quand tu t'es avantage te joindre. Je dis en mais qui quand prend. Est-ce que c'est pour intérêt population haïtienne non? Est-ce que c'est pour intérêt classe défavorisée hein? Est-ce que c'est pour intérêt peuple haïtien hein? Qui sait? Moi seul ça me connaît. Moi connaît moun ki te kon peze yo, moun ki te kon torture yo, moun ki te kon prive yo de avantage yo, de intérêt yo genye. Pour une raison ou pour l'autre, yo akapare yo de tout bagay sa yo. Moun sa pa ka change fusil d'épaule un seul jour, juste parce que li vle wè bien-être ou juste parce que li vle wè soti nan mizoye nan extrême pauvreté. Je dis sa ka passe nan politique la, tout moun montre yo se sauve. Jodi an sa ka pase nan politik la, la tout nèg vle montre yo se libérateur. Mais est-ce qu'on konn kote vre libérateur ap soti? Ou pa konnen? Est-ce qu'on konnen jodi an nan politik la la, men moun d'autant pouvoir public la pa ta pran engagement malgré yo fortif, malgré se président, premier ministre ki te décidé yo même personnellement pour yo trahi peuple haïtien nan privilège ap bay nèg. Nan akor ya passe a nèg, nan avantage, nan garanti a bay bourgeois ka pèse sou serre de pays. C'est eux même qui décide. Moi même personnellement, moi connais que la loi prévoit des franchises pour tout entrepreneur, pour tout investisseur. Des franchises. Moi pas ka bay moun non franchise indéterminée. Tout dépend de secteur d'activité ou gen, on ka gen franchise 5 ans, on ka gen franchise 10 ans. Mais à chaque gouvernement, à chaque régime politique qui monte, à chaque présidence qui montait, ou toujours dans des nègres qui ont franchise qui pas jamais fini. Nègres qui ont accès. C'est eux-mêmes qui ont coupé, c'est eux-mêmes qui ont racheté dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont pris des décisions pour les Haïtiens. C'est eux-mêmes qui ont monopole du riz, c'est eux-mêmes qui ont monopole poids, c'est eux-mêmes qui ont monopole électroménager, c'est eux-mêmes qui ont monopole meubles, c'est eux-mêmes qui ont monopole lettres. Qui paye n'a fait? Qui paye nous voulait faire? Le tout nègres à eux. Le 12 moun, le 15 moun, yo chita ensemble, yo di bon, nou pran kontrol secteur privé. Ti malere anjodi an pou le vann let, si pa vin achete let la la kayo, li pa ka fè let lan, li même soti la ba pou le rentre pou le dédouaner, pou le vann. C'est méchant. Lò se dirigeant, lò se autorité de l'État, on peut faire confiance, yo bon mandat pou vin dirige yo, pou vin changer. Et façon l'autre moun nèg t'ap mené pouvoir avant ou pa ka vini pou faire de même ou vini ou faire pire. C'est solution n'ap chercher pour qui ça ou même c'est enfoncer ou pas enfoncer peuple en plus misère en plus problème. Li pas possible. Jodi an la faut nou veatif. Le nou m'a parlé de ancien allié régime PHTK, ancien allié président Jovenel Moïse, c'est des moun qui t'ap pèse sou se nan pouvoir pour une raison ou pour l'autre, yo perdu privilège. Que ce soit un avantage l'autre groupe moun que président madame président entourage président bay yo même moun sa yo jodi an c'est yo même qui campé yo pas seulement campé contre président Jovenel parce que ça crivé là peu importe problème personnel yo ka gen avec président Jovenel Moïse li affecté tout pays li affecté toute population haïtienne jodi an on nèg qui prêt à tout pour chavirer régime qui sous pouvoir li pas seulement a utiliser toute stratégie le connaît pour le faire tout moun wè que c'est président Jovenel Moïse qui pas bon l'a utiliser toute stratégie le connaît pour le chauffer payant pour tout yeux fixé sur Haïti et le ça a une décision qu'a prend beaucoup plus rapidement et c'est dans pas en Haïti est là. Parce que insécurité qui programme ça, insécurité qui structure ça pays en vivre là,
chaos généralisé Port-au-Prince connaît là actuellement, c'est pas sans raison. Li gen un point différent parti différents acteurs sous lui. Qui est-ce qui bay zam? Qui est-ce qui finance bandi? Qui est-ce qui gen de très bonnes relations avec bandi? Pouvoir yo de responsabilize yo fédéré G9 yo gen responsabilité pa yo jodi an tout. Nan sa ka passe nan peyi a. Etant d'autant de la police al fè desant, yal de bandi, mais kay bandi an te getan débléé, bandi an pat la. Kote formateur sa yo, ki yes ka founi yo information, kote sou sa yo ye. Jodi an, tout sa ka passe an de dan institution l'état yo, son group neg, ki yo même yo fè alliance ak bandi, son group neg ki yo même ki kache derrière fonction yo ye an, pour yo mettre la trouble dans pays pour yo déstabiliser pays a jodi an la ba gon nèg ki ka di mi gon camp politique ken te zanmi ken te ennemi politique lan jodi an c'est seule façon moun yo joine pour yo enrichir poche yo seule façon yo joine pour yo vinn faire malversation dans tête l'état de manière légitime c'est comme si pouvoir l'état kounye li bay chaque nèg légitimité pour vinn voler pour vinn participer dans corruption pour vinn tuer moun sans que la justice sans que la police yo même yo pa gon réponse directe pour yo ba ou ça li fait mal comportement ça yo détruit rêve jeunesse yo détruit envie peuple haïtien gen pour au moins une fois pour yo ta di yo jwenn moun ki crédible bon moun ki honnête pour yo mette nan tête pays pour vinn changer yo vinn retirer yo nan misère yo ya jodi on wè tout moun yo a frappé l'estomac yo c'est moi capable c'est moi ka fè c'est moi ka pote stabilité c'est moi ka pote manger nan bol peuple la bon dat trois pour tirer manger nan bol population haïtienne nan dat nan privé peuple haïtien de stabilité le te ka konnen pou mete l'argent nan poche li n'a pas enrichi nous nan question du riz n'a pas enrichi nous nan différents lot domaine n'a volote paysan parce que nous gen légitimité pour ça n'a volé ka diaspora nous gen légitimité pour ça oui nous vinn cacher des pouvoirs l'état nous vinn cacher nan pouvoir public là cravate au cou soulier nous bien ciré oh oui parce que c'est ça qui image fonction parlementaire dans pays hein c'est ça qui image pouvoir exécutif là c'est ça qui image pouvoir judiciaire là vinn mettre un groupe moun nan tête l'état pour yo représenter pour yo vinn bon justice pour yo défendre intérêt et puis c'est pèse y a pèse ou c'est avantage y a tiré de ou c'est dans misère y a pas foncé ou c'est ça lié. Eh bien, jodi a la 4 mars 14, peuple haïtien commencé ouais. Zye moun yo commencé l'ouvrir pour ouais même moun qui était là, qui était allié pouvoir, qui passait 4 années comme sénateur, comme député. Gagné même qui là qui renouvelé mandat constamment, saute sous Martelly, tombé dans transition. Vin sous président Jovenel Moïse là, yo a pesé sous ses, y a pris avantage, y a joué une franchise, y a apporté conteneur zam, pièce pour ne pas jamais dire rien, pièce pour ne pas jamais parler sous ça. Eh bien, jodi an là, tout le monde commence à vigilant, tout le monde commence à ouais. Monsieur, commence à chercher une façon pour mettre tête sur dehors. Parce que fuck peuple haïtien, ouais, gen moun qui te avec, gen moun qui te campé pour yo, gen moun qui t'a défendu yo. Jodi an le nèg la vini. L'ol dou mes salte di président Jovenel Moïse mais comment pour agir mais sort doit faire mais sort pas doit faire souffrir comme ça va plaguer pays dans tout boum dans chaos qui sort ka dit qui sort ka faire seule l'histoire oui qui ka dou c'est pas vrai parce que nèg yo mete yo comme libérateur nèg yo mete yo comme dénonciateur comme gagne un monde qui pour porter fado comme gagne un monde qui doit porter et porte cassé aujourd'hui là qui doit répondre de toutes actes qui fait dans le pays faut gon moun yo indexé et c'est dommage que autorité l'état yo pas connait responsabilité yo jodi on pas quasiment c'est président de la république pour mettre campé en commission nationale de démantèlement de réinsertion et puis commission ça c'est lui-même qui pral fédérer groupe gang dans pays c'est lui-même qui pral faire unité dans mitan groupe gang alors que nous gagne des forces publiques
Nous gagnons la police, nous gagnons l'armée, un prétendu armée, qui est là pour sécuriser un pays, pour protéger la souveraineté du pays. Bon, sauvez monsieur Damzaïo al fait. Pendant la fédérer gang, et puis il y a des forces de police, il y a des forces militaires qui là pour combattre. Ça qui arrive, nous pas ba autorisation tout, oui. Nous décidons aujourd'hui de pas de combat, pas de chasse aux sorcières qui a fait contre gang, pas de chasse aux sorcières qui a fait contre bandit. Donc, comportement ça a traduit un paquet de bagaille. Bon, m'invitez-nous ensemble, nous tant des gens qui tout. Jacques Sauveur, Jean, ancien sénateur Nord-Est. Lui-même qui prend le devant là, qui dénonce un paquet de malversations, un paquet de dérives depuis le monté sénateur, qui connaît qu'a passé dans le pouvoir exécutif là. Il y a quantité de problèmes qui passé entre le président Jovenel Moïse avec le secteur privé des affaires là. Groupe monde qui a investi l'argent dans la campagne président. Ah! Le manger l'argent Chango, faut payer Chango, oui. Eh bien, c'est ça qui est aujourd'hui là. C'est dans rien, mais manger l'argent Chango et puis nous traîner pays en un catch boumbe sali là. C'est dans le micro matin débat avec Louko Désir, Jacques Sauveur Jean lui-même, li ta baye tout ça le connaît, t'a déblayé vent li. En nous tendez tout ça le te pour le dire, n'a pas retourné après pour commenter yo. Parce que grand pile bagay li dit, moi-même, personnellement, pas d'accord avec yo, non? Pas d'accord parce que nous pas qu'à faire payer à ça. Nous pas qu'à faire papa ici en ça parce que nous méritons pour nous gagner honnêteté, nous méritons pour nous gagner crédibilité parce que nous venons représenter peuple. Donc on pas peuple s'il te connaît nous te volé, li connaît nous te soufflant chou, li connaît nous te ti sousou pour t'a choisi mettre nous comme représentant. À moins que population haïtienne n'ait ta fou. En nous tendez m'a retourner après. Bon, Louko, ça moi-même moi constater c'est que en pile monde qu'on pas prêté attention à l'homme m'a dit en bagaille depuis oui. L'homme était sénateur depuis en rampe était sénateur et jusqu'à aujourd'hui en peut-être il y a monde qui va attendre et puis il a pas prêté trop attention à ça m'a dit oui. Cependant moi pas prétendre que me détenteur de toute la vérité ou de la vraie vérité mais bon Dieu ben mon capacité en possibilité avec mes yeux de prophète pour moi certaines choses mm-hmm. Et je dois te dire honnêtement Louko. Là, il y a des bagailles moins dit, même si il y a des gens qui sont fâchés, même si il y a des gens qui sont contents, moi, je voulais comprendre que moi, considérer cette pointe comme un thermomètre, je pas la fièvre là, non? Même quand vous avez quantité de degrés, la fièvre là est sous vous, et que sous pas prendre précaution, mais qui s'est arrivé avec le modèle d'inspection que nous avons, et sous vous mourir, pas dit, je ne pas moi-même prévenir. Parce que c'est ça que le thermomètre là fait pour vous, il faut détecter dimension, la fièvre. Mais maintenant, la fièvre, il faut traiter. Haïti a un problème, une infection grave qui a détruit la nation. Et infection ça, en pile monde qui a dit, il a constaté, il y a eu une série de petits bagailles qui a fini, ces petits boutons qui menaient malin, mais tout le monde n'a toujours pas pris la précaution qu'il faut pour ne pas arriver là-dedans. Et je dis, pas de petits bagailles, une grosse bagaille. Il y a tout le monde qui a attendu nous là, Louko. Moi-même, ou même tout qui a parlé, nous quand même, nous tellement bien appréhendé ça qui a fait là, nous avons une bonne lecture de lui. Okay. Nous tellement bonne lecture de lui, nous quand même expliqué mon lui. Mais maintenant, il y a un troisième point qu'on doit tenir compte de lui. C'est dans la réalité, est-ce qu'on est capable ou même passer à l'action sur de telles situations pour porter un changement, pour porter une correction à ça qui a fait là. Pour qui ça? C'est parce que plusieurs femmes disent haïtien ça. Pays a pas mal organisé. Pays a pas désorganisé. S'il était désorganisé ou mal organisé, l'État prend un temps et avec des hommes de bonne volonté pour réorganiser ou bien pour bien organiser. Ce pays, Haïti, chérie, est méchamment, malveillamment organisé par des gens super intelligents et qui ont les moyens de leur politique. C'est si on est compris, ça me dit bien. Son gros déclaration qu'on fait maintenant que le sénateur Jacques Sauveur Jean. Est-ce qu'on va reprendre pour nous? Oui, Louko. Pas pour dire pour tout haïtien qui attend, parce que matin débat, c'est bois plus haut. Il est plus loin que tout le pays. Très bien. Le pays n'a pas mal organisé. Le pays n'a pas désorganisé. Il a pris des hommes de bonne volonté pour réorganiser ou bien pour bien organiser. Ce pays, Haïti, chérie, est malveillamment, méchamment organisé.
par des gens super intelligents et qui ont les moyens de leur politique. Cela veut dire que ils ont imposé nous le mal et ceci nous paraît qu'une autre option, c'est pour nous jouer à malin, malin et demi, pour pouvoir contourner ce mal, parce que c'est pas pareil, nous sommes capables là. La misère nous est nous là dedans, et sécurité nous est nous là dedans, c'est pas pareil qui nous fait par hasard, c'est des choses planifiées par des gens super intelligents et qui ont de l'argent, le pire, qui ont de grands alliés à l'international. Puisque nos ennemis d'autrefois, ils n'ont pas qu'à dire aujourd'hui à là, ce sont des amis d'aujourd'hui. Nous pas qu'à dire ça, nous pas qu'à comprendre ni comme petit bagaille. Déclaration ça, on connaît comme tel son podium, quand plus le monde attendait. Et j'espère qu'il s'est tenu compte de lui, parce que l'heure est à l'intelligence pour pouvoir sortir ce pays de cette situation. Eh bien. Ok, basé sur le constat qu'on fait, donc sénateur Jacques Sauvageon, basé sur l'intervention matin dans l'émission Matin Débat, et qui peut au conseil au débat du président Jovenel Moïse et qui souhaite dire qui peut arriver? Président Jovenel Moïse, depuis le montée, me dit ça. Je vous ai un engagement envers deux groupes, envers deux groupes de monde. Ou pas qu'à dire moi l'élection, ce n'est pas des gens qui financent. Ou pas qu'à dire moi, même si vous venez de dire, ah mon cher, vous connaissez pas possible. Mais, ou bien l'autre groupe, vous comprenez un engagement envers eux. Vous savez, c'est eux-mêmes qui vont voter là. C'est-à-dire, vote ça lui-même, lui vaut plus que l'argent. Mais maintenant, le président Jovenel Moïse, il veut sous pouvoir. Premier gros compte, moi, Favel, je ne vais pas me faire compte avec lui. Premier gros compte, lui, Favel, mais puis, il écarte moi de pouvoir lire comme si je suis comme ville là, je les comprends. Oui. Tout le monde devait ça, oui. Et bonjour, c'est bagaille. C'est pour aller à 50-50. Ouais, mon saillot qui te financé, qui te bagaille là, allez, équitablement, 50-50. Pensez à peu près à toi, 50-50. Pour que vous remettez votre là, nos mains, et nous l'autre main, vous remettez l'argent. Après ça, pour une conclusion, nous parlons de Haïti sous rail. Reprenez Baptiste, moi, sénateur Jacques Sauvageon. Reprenez Baptiste. Moi, je dis ça, Louko, que vous avez deux engagements. Il y a un dans le côté droit, là, dans le plateau droit de balance, dans le monde sale qui te finance là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, nous, qu'on les boulots et pas tes jambes contre Jovenel. Le contraire, ils ont investi leur argent. Et qui dit les boulots, dit les next sale. Ça veut dire next sale dans mes droits, là. Monsieur et ceux qui possèdent. Yo. Et maintenant, il y a la population haïtienne, désespérément, qui dit net banana. M'a voté parce que nous pensons que, vu que moi, nous semblait, nous supposons capables de trouver une solution à ce problème. Nan. Mais maintenant, moi-même, je me dis, attendez, on a 50-50 pour que nous remettons l'argent, mais nous remettons votre l'argent. C'est ça qu'il faut, jusqu'à la dernière minute, il vient en parole, s'il reste là, pour ne pas se dire que le gros nègre prend tout le pays à la main. Et puis, on n'y a pas rien traité, et puis, s'il reste là, il ne bouge pas là, annoncer que c'est s'il reste là pour faire ça. Or, s'il reste son expression de monde, l'ordre du nègre mangé reste là, l'ordre du nègre, c'est s'il reste là, qu'il te voulait, c'est pas qu'il a fait le passé, parce que lui qui était vertière, lui que grand-papa était bâillé sans à vertière, parce que c'est s'il reste pour Bali. Et même si tu as bâillé s'il reste à tout cœur, même si vous avez fait tout ce que vous faites avec lui, l'a considéré qu'on n'a pas de respect pour lui parce qu'on va le tirer là. Donc, situation, ça a demandé à ce que le président, depuis là, on commence à pouvoir là, tu connais qui gens que le pouvoir séparer parce que c'est le sens du partage avec équité qui a sauvé ou dans la situation ça. Monsieur Milatio, monsieur Grenegio, il y a haïtien tout. Monsieur Grenegio, c'est eux qui possédaient. Mais maintenant, peuple haïtien tout. Et peuple haïtien qui fait ses temps pour le cagé Haïti. On dit que tous deux, quand vous gagnez intérêt pour y exister. Mais maintenant, vous même comme chef d'État, il faut que vous veniez avec sacré l'équilibre, il faut que vous veniez avec sacré le sens du partage, avec équité, même en assumant la responsabilité. Pour que chaque mec connaît, mais qui m'en soit pas, et mais qui s'en pour bailler, parce que l'idée, c'est planter pour récolter que lié, nous sommes pays en voie de développement, nous sommes un pays de tiers monde, nous sommes un pays qui doit créer prospérité, et ceci, il faut le faire. Dans la plus grande transparence. Bien. Il va coûter. Je vous dis, je vais plier, je travaille maintenant par le moment comme soit droit. Je traverser plusieurs gros cartes difficiles. Et puis l'heure d'après arriver pour me quitter par le moment, je sortir et me reculer quand vous êtes à parler dans cette interview là. Je vais plier pour observer exactement côté où vous allez. Parce que moi-même, moi, ouais, que si vous attendez samedi à là, il y aura pile route pour faire encore et encore. Et si on pas changer mentalité, ça ne va pas jamais corriger. Très bien. OK. Référendum, constitution, élection. Vous pensez que le président Jovenel Moïse est capable de réussir?
partout. Ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui peut réussir ou échouer. Et ni tout président Jovenel Moïse, ce n'est pas lui qui peut faire élection tout. Ce n'est pas lui qui peut faire référendum tout. Mm-hmm. Ce n'est pas jamais nous qui faisons ni élection ni référendum dans le pays d'Haïti. Ce sont nos partenaires étrangers, nos propres, les petits fils des vieux colons. Ça veut dire que même si nous sommes petit Jean-Jacques Dessalines, nous avons tous ces petit Napoléon Bonaparte. Nous avons tous ces petit Franklin Delano Roosevelt. Ça veut dire qu'il faut que nous réfléchissions pour comprendre que ce n'est pas dit nous ou pas dit là, parce que le monde est vieux des milliards d'années et le monde est one click away. Ou pas quelle autre option. Mais qu'on est que l'on a dit là avec la France, l'on a dit là avec les États-Unis, on a dit là avec des mondes qu'on doit lever tête pour qu'on ait. Écoutez donc, c'est give and take. Mais qui ça m'aborde, mais qui ça m'apprend même. Parce que, nèg sa yo, le petit nèg sa yo, c'est façon de parler, ils ne sont pas des nègres. Moun sa yo, ce sont des petits-fils des vieux colons qui ont cautionné l'esclavage, qui ont fait des interventions militaires sur notre sol en maître reprise, qui ont toujours tendance à nous faire comprendre que la civilisation nègre, c'est pas la bonne, et qui profitent de notre faiblesse de Bourkara nous, qui mettait nous dans la situation que nous sommes là. Puisque pas gagné ou est là, qui se bagaille, comme Dadou qui est juste arrivé par hasard. C'est des situations provoquées. Quand on parle d'insécurité, on parle de la sécurité, c'est l'affaire des gens qui a porté des armes dans la capitale. On ne sait pas même consacrer les sécurités. On va quand même provoquer l'insécurité. Mais l'insécurité, c'est un bagaille qui est bien construit, c'est un bagaille qui est bien bâti, bien agencé par des experts en sécurité pour créer l'insécurité à des faits très spécifiques. De même que la misère. La misère pas un bagage qui prend place. La misère sont des âmes destructives que liées, sont des âmes extrêmement puissantes qu'on utilise sous des moules leurs besoins, mais qui ont nous pour faire exactement ce qu'on voulait. Bien, bien. Donc, ou capable douce, ou capable faire le degré, ou capable faire de force. Ou faire de force, l'on fait intervention militaire, l'on vient avec gros âmes, ou faire le degré, de plein gré, l'heure où Dieu, écoutez donc, c'est moi qui finance commande. Donc, dès qu'on ne pas créer ou pas quitter le monde, créer prospérité pour le vivre normal tant qu'on être humain, automatiquement, ou provoquer une situation de misère qui a fait qu'on commande elle. Parce que, une fois le bagage en amène, tout son Dieu fait, c'est déjà fait. Donc, le président Jovenel pas là pour le faire élection, il n'est pas là pour le faire référendum, non. C'est blanc, c'est monde ça aussi décidé. Mais maintenant, si le président Jovenel voulait comprendre bien, des hommes tels que moi-même, des hommes tant que Daniel Lafirrière, des hommes tant que Michel Souka, des hommes tant que Louko Désir, et pour ne citer que eux-mêmes, c'est des mondes qui citent, et puis pour même si nous n'avons pas de chèque, même si nous n'avons pas de titre officiel, mais pour la fédération de fighters, on a su mener la bataille face à ces gens qui eux-mêmes ont des alliés forts sur le terrain, qui ne sont pas bien que, en bonne connexion, qui vont vivre ensemble, bien qu'ils vivent. Il a quitté là en 1800 tours, mais qui était capitulé devant nous. C'est la bataille des gens intelligents. C'est la bataille pour venir monter sous lui. Et puis, quand bon mec qui a fait des faux bonnes déclarations, il a répété ce qu'on dit, mais cependant, il a perdu son dit, il n'y a pas bon. Il a répété. Il a fait son frère, parce qu'il a cherché le moi. Il a cherché le monde, c'est lui qui résout le problème. Mais non, l'organe honnête dans le monde, il a fait rien. Petit fils d'esclave devenu numéro 1 de l'Académie française, il gomba qu'il comprenne. Regardez Michel Souka, professeur historien, il n'a qu'à expliquer, il gomba qu'il comprenne. Regardez Jacques Sauvageant, regardez Louko Désir, regardez, vous ne citez que vous-même, il faut qu'on mette à l'écoute pour capable mener une grosse bataille ça, parce que c'est géant, c'est l'adversaire. Sinon, il parle pas aux des élections, comme ils l'ont toujours fait, il parle pas aux des changements de techniques. Et mettre toujours au profit de leur système, parce que notez bien, c'est Louko. Moi, mon déclaration là, peut-être que je ne vais pas constater la même, je vais secouer l'avant. Le système est plus fort que l'État. L'État est plus fort que le gouvernement. Le gouvernement est plus fort que le peuple. Et pourtant, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Reprendre des glaçons, ça, sénateur Jacques Sauvageant. Ce système dont on parle est plus fort que l'État. Le système qu'on nous a maintenant là. Parce que le système est produit une grande fois, et là, il a introduit l'objectif. Le monde qui fait le système, il y a pile en pile considération que le fait pour que le système n'est pas jamais campé. Et
ceci, même s'il y a des millions d'années qui passent. Maintenant, le système est plus fort que l'État. Or, l'État est plus fort que le gouvernement. Le gouvernement est plus fort que le peuple. Mm-hmm. Or, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, on revient à le bon Dieu, on revient à la force incontestable. Donc, si c'est pour le peuple qu'on travaille, il faut comprendre ce parcours du système à la population. Donc, on peut toujours être des sentinelles de système. Pourquoi ne faut pas interroger avant le coup. Mm-hmm. Allez-y, allez-y, allez-y. Mm-hmm. Qui directeur Banque Centrale, BLC, ministre Finance, dans toute institution financière, qui blanc, non? Toutes ces petits nègres, oui. Donc, ils sont. Mais quand ils ont des sentinelles du système, c'est eux-mêmes qui empêchent les petits nègres, non? Ils viennent prêts pour créer prospérité. C'est eux-mêmes qui disent. Bon, Nous sommes des grands bourgeois, nous, là, qui ont dit ça. Ils ont besoin de prêts, ils ont relé notre téléphone, ils ont approuvé prêts, ils ont le fin encore, ils ont voulu passer après. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui tombent par secret pour eux jusqu'à ce qu'ils reviennent tous ces atouts et tout papier. Ou même, on est venu à tout ça, on possède net. Ou même, le contraire. Le jour qu'on prête dans le système, non, on va pauvrir. Parce qu'ils ont conditionné pour que prospérité ou pas qu'à joindre. Donc, ce sont des sentinelles du système. Donc, un système comme ça, à des ciels, il faut qu'on ait des hommes qui, en dehors assez intelligents, qu'on ait. Écoutez, donc, on va changer l'objectif de ce système qui n'est autre que empêcher aux nègres l'accès à la prospérité. Donc, il faut que vos comportements de complice, à faire de complot pour qu'à changer. Parce que depuis bien moyen pour changer la vie des Parisiens, pour parler avec les gens, en écabine de voyo, il y a tellement belle qu'on n'a pas même besoin. Oui, oui, c'est bien clair. Donc, c'est là j'ai l'argent. Ok. Et m'a qu'on est fonti et déplacer tout petit pour nous capable de gagner une meilleure communication. Ok. Et maintenant, sénateur Jacques l'argent. Et l'opposition à Goumen, donc face au président Jovenel Moïse depuis et pratiquement 4 ans, j'en capable de constater parce qu'on était dans le Sénat tout, ou même et personnellement. Et alors, objectif là, c'est à. Pour ces deux présidents Jovenel Moïse pour la quitter le pouvoir. Il n'est pas arrivé à faire ça. Maintenant, son bataille qui est menée sur tous les fronts, sur le plan diplomatique, sur le plan juridique, sur le plan et politique. Est-ce que jodi a un accord politique lui indispensable? Le compas gagne par l'opposition ou bien pouvoir. Moi, expliquer nos musiques pour faire son nouvel album, moyen c'est les mentalités. Mm-hmm. Dans la vidéo, moi, mettez deux coqs à boumer. Mais l'autre de coq à boumer, quelle que soit la couleur qui gagne, hein, que gagne dans ce canal là, c'est pas coq qui gagne, c'est mettre qui gagne. Eh bien. Donc ça qui mourir, mettre ou baisser prendre l'alcool, la chaudière, ça qui gagne, il baisser prendre l'alcool matériel pour la prochaine bataille là. Donc opposition avec pouvoir, c'est Romario avec Bebeto qui a joué pour même Brésil là. Ouais. Ouais. Ça veut dire que. Yo t'as censé que même boss. Pardon? Yo t'as censé que même boss. Oui, tout le même boss. Cela veut dire que vous avez le droit de soutenir l'ambassade là. Et puis, au dialogue de Chita sur table là, l'autre là soutenir l'ambassade là, tout, il vient et il dit pas Chita. Et c'est l'ambassade là qui dit autour de vous-même, invitez le Chita ou même pas Chita. Okay. Ça veut dire que c'est là pour nous commencer à prouver qu'on est intelligent. Parce que nous pas qu'à prendre nos anciens colons comme des conseillers, nos problèmes de liberté, nos problèmes, nous pas qu'on côté n'a pas aller. Ouais. Parce que, après liberté, c'est pour pas que c'est nous qui créons moi. C'est nous qui créons moi. Moi, ça existait quelque part, mais il n'y a pas de jamais aucun sens. Nous créons et nous recréons. C'est nous qui bat le sens. C'est nous qui bat le sens. C'est nous qui faisons que le sens que le gagne aujourd'hui. Qui est? Non, c'est nous-mêmes qui bat mon liberté à sens. C'est nous-mêmes qui faisons le sens que le gagne aujourd'hui. C'est ça que ça fait pour nous ne pas courir sous le dossier haïtien comme ça. Mm-hmm. Parce que nous, cette première république nègre, indépendant, mais c'est défier, nous défier une bataille de civilisation parce que la civilisation africaine s'est toujours révélée plus avancée que la civilisation européenne ou blanche. Ouais. Maintenant, ils ont réalisé que nous trois avons bon cœur, ils ont rentré dans les terrains et on peut se référer sur cette phrase de Franklin Delano Roosevelt. N'est-ce pas, il faut nous qu'un béo divisé pour qu'on ait déchiré l'autre, pour qu'on n'ait pas jamais capable de servir d'exemple. Et ceci, il dit la connaissance de cause. Mm-hmm. Et notez bien, cher ami, auditeur, lors d'une déclaration qu'on s'est sorti dans le bouchon président américain, pas courir sous lit. Parce que il faut que la Constitution,
constitution qu'on gagne, qu'on vote pour diriger sous l'IA. Ouais. Parce que même sous ta réponse de la Rose, qui me dit ça, Donald Trump a venu là dire non l'autre sens. Mais, ouais. Joe Biden a venu là dire non l'autre sens, mais il a fait exactement ça. Et François Delano Roosevelt te prononcer. Parce que c'est pas un pas. Donc c'est pas une bataille. C'est une bataille qui m'a dit qu'on est intelligent. Ou pas qu'à mener le jour avec fusil ou armes parce que vous même y a une grosse arme nucléaire qu'on pas gagné. Mais il faut qu'on connaisse que l'intelligence, c'est pas l'école qui produit. Quand on est un intellectuel, c'est pas parce qu'on ou à l'école qu'il faut faire gros classe. Sinon, moi, tu as l'école lectuelle. Il t'a dérivé de l'école. Être intelligent veut dire comment pouvoir faire fonctionner vos sens de base pour vous permettre que ou capable de faire face à une série d'obstacles naturels qui viennent sur nous. Mais maintenant, il faut que nous intelligents pour que nous connaissions que nous sommes incontournables, nous sommes indispensables. Nous n'avons pas qu'à dire nous parler de ça, mais il faut qu'on ait des hommes de caractère. Voilà le problème de ce pays. Des hommes de caractère qui ont campé devant les gens pour dire monsieur, mais ça nous demande, moi-même, mais ça me cabane, mais ça n'a pas moi. Moi, je fais expérience, le coup. Et clair. Pour avoir l'autre déclaration, voilà. Allez-y, 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 allez-y. Nous venons avec des grands mouna internationaux. Parce que quand on est là, sénateur, ou gain accès. Et puis, je me pose une question. Mais monsieur, si nous disons nous fatiguer un problème, pour qui ça nous va résoudre? Je dis, mais quand nous demandons des dirigeants, ou ça, ou vous voulez, nous disons, ou mettre mouillé mes soins, Jérémy. C'est qu'ils n'ont pas en tête quelque chose. Sans dire là, sénateur Jacques Vergeon, ou au moins pour nous abriter. Quelle déclaration fait matin là, oui? Moi, je vois des grands mondes internationaux là, des ambassadeurs, des mondes, des grands décideurs. Je me dis, écoutez donc, vous avez un problème, vous m'appelez pour me dire que vous êtes fatigué, vous avez besoin d'une solution. Mais pourquoi est-ce que vous ne posez pas le problème dans sa réalité pour trouver une solution réelle? Et bien, on est à dire, le problème, c'est que vos dirigeants, même si nous disons, écoutez donc, ça nous voulait, parce que moi-même, ça me voulait, ma bonne ou ça. Nous voulons comme ça, et vous-même, s'en voulez. Et puis, le dirigeant dit Jérém, mouillez mes chemins. Et ça qui est Jérém, mouillez mes chemins, c'est quitter le volet. Ça qui est Jérém, mouillez mes chemins, c'est quand mode dirigeant gagne. Donc, c'est mode dirigeant pour nous suspendre dans le pays. Et c'est ça qu'on parle maintenant là. Oui, c'est des gros dirigeants qui toujours. Bon, le pire, il y a des bagages qui passent en Haïti, c'est des crimes d'État même, oui. C'est le rapport même qui négocie malheur avec un autre pigou l'État, oui. Et puis aussi des accords, oui. Moi, je vois le président Bill Clinton un jour qui a dit que lui regrette entièrement que qu'il mettait toute force des États-Unis pour détruire l'agriculture haïtienne, et spécialement la filière risicole. C'est là que ça me réalise qu'il modèle bataille comme de la donne, parce que moi, je m'appeuvrais dans la filière risicole, c'est lui qui m'a planté, et puis regardez comme des présidents américains qui mettaient toute force, lui, qui mettaient tout ça les États-Unis représentaient pour détruire la filière risicole pays. Malgré que je dis excusez, pas qu'on dirige haïtien qui saisit de excuser pour dire que je fais autant de dégâts comme accident. Comment réparer ces dégâts? Tout le monde, je vais s'appeler. Ok, d'accord, ça passe net. Et puis, à travers USAID, à travers BNDAI, à travers toute une série de bagages, les gars ont œuvré pour la destruction de nations pendant ce temps, même contre leur volonté. Et ceci par faute de dirigeants de caractère. Là, vous entendez me comprendre? Même j'en avais nous m'tendez tout ça Jacques Sauveur gentil yo. Mais en dépit du fait que Jacques Sauveur Jean te gen tout différent, il te gen avec pouvoir public là, il te gen avec président Jovenel Moïse. Ça pas empêcher Jacques Sauveur Jean li encaisser toute action gouvernementale yo non, parce que leur vote oui. C'est que d'accord avec tout ça gouvernement fait oui. C'est que d'accord avec tout ça pouvoir exécutif là fait oui. Baga yo pa gen demi-mesure la dan yo. Si ou se so se sa, sou pa sa rale kwa ou. Ou pa ka apan kese tout sa moun yo fe ou vote oui. Et puis apan pral di ke men so te di yo fe, men sa te doué fet, men sa yo pa jom fe. Alors que, au final, ou toujou d'accord avec tout action yo pose. Moi même si gon bagay visiblement pas d'accord, c'est le fait que pour mande un président de la République pour le dire 50-50 avec un secteur privé des affaires. Li pa interdit nulle part, non dans la loi, pour recevoir financement extérieur, l'État finance parti politique, mais gen des particuliers tout. Entreprise privée, secteur privé des affaires, ka finance. Mais kounyen, c'est qui niveau crédibilité président, c'est qui niveau crédibilité sénateur, député, magistrat, yo, pour yo konnen, yo gen yon devoir envers nation, yo pa gen yon devoir envers moun ki te finance kanpay yo.
ça a toujours arrivé. Il y a des avantages que moun sa rejoine, mais il pas ka aller au-delà, il pas ka égal avec sorien pour la population haïtienne. Non. Dis-le 50-50 ça, c'est lui même qui traîne le pays là. Lo bay nèg lan 50-50 et au final li wè 50-50 ou bali an. Li pa breeding sa l gen comme objectif. Li pa comblé quantité l'argent le besoin dans portefeuille li, la vle plus. C'est avarisme politique ça qui traîne pays an lan, qui traîne nous dans insécurité, dans instabilité nous aujourd'hui a là. So dwe konnen, c'est que pa gon nèg dans secteur privé des affaires aujourd'hui an qui pral admettre financer campagne politique on président, on sénateur, on député, on magistrat, sans que li pa gon redevance en retour. Et redevance, c'est la corruption même pour le faire. C'est le système politique là même qui engendre corruption dedans pays. Et ou même qui pour connait dès le départ, l'argent ça pral tout non croc pour, l'argent ça pral empêcho étant liberté pral empêcho faire sort ou faire comme décision pral prendre ou pas prendre l'argent. Campagne pral arriver là, élection pral arriver là, tout le monde pral envie bay l'argent parce que gon ensemble davantage que yo besoin prend, gen un ensemble de privilèges yo besoin. Fok yo financer campagne ou fok yo mette l'argent dans bolou pour aller faire campagne pendant l'élection et puis après l'organ y a toute garantie, y a toute garantie que on a réussi. Et s'il le faut y a bonnes âmes, s'il le faut y a bon nèg, s'il le faut y a payer conseiller électoral pour parce que faut qu'on passe, faut que yo même yo joine une franchise, faut que yo même yo joine une garantie que yo pral mettre payant, yo pral mettre stabilité dans l'entreprise yo pendant yo pral créer stabilité dans mitan population. Jodi an la, c'est pas seulement président de la République là non qui gen responsabilité, qui gen engagement que le manque avec eux même, c'est tout système politique là. Ou attend des questions budget national fin fête, avant sénateur, député, yo mette yo ensemble en assemblée pour yo voter budget. Faut que budget a faut qu'il passe la caille grand bourgeois yo. Faut que yo regarde si ça dans budget s'il correspond avec ça yo même yo gen comme prévision économique. Moi me conscient pas qu'on pays ka fonctionner sans secteur privé. Secteur privé hein, c'est moteur développement pays lié, mais ça nous gen la Haïti en la li tout bagaille sauf un secteur privé progressiste. Nous pas gen des entrepreneurs, des leaders économiques qui pensent pour Haïti, qui pensent pour jeunesse, qui pensent pour développement pays. Jodi an la, le fait que Neglan li construit une maquette, li construit un bar, li construit un restaurant, li font mini hôtel et puis nous dit que secteur privé a travaillé. Yo fait deux trois banques, yo mette tête ensemble pour yo prendre l'argent malheureuse. Nous dit bon secteur privé a travaillé alors que ou rive dans maquette là, yo tellement surfacturé ou plutôt t'es acheté bagaille là non bar comme machin, nous t'es fait machin dans fait quoi blanc et puis ou même deux goudes on t'a qu'un bel là pour chou. Li t'a en plus pour produit avarié ou expiré, yo sou rayon market lan. Yo la avant nous toujours parce que nous pas gagné des agents de protection du droit à la consommation. Jodi an ou son consommateur, yo vend nous produit expiré, yo gratte date lan. Yo avant nous permanent lan rivé nan date expiration yo gratte. Parfait un déodorant, yo gen moun même qui la en réseau qui fait ça. Est-ce que l'honnête nous malhonnête alors que nous dit nous sommes secteur privé des affaires, nous là pour progrès économique, nous là pour stabilité économique, nous là pour nous aider les petites et moyennes entreprises pour développer, pour prendre là. Et là qui bon, c'était jamais vrai, c'est pas vrai. Alors que dans l'autre pays, nous avons des chaînes d'hôtels que secteur privé a investi, nous avons des chaînes de market, grande entreprise que secteur privé investit là-dedans pour bay moun travail. Jodi an ka comprendre pays an nou nan nécessité. Le ou tan de moun nan li rele tèt li chef d'entreprise, li bay 5 moun, li bay 10 moun travail, li sorti 5 fami nan chômage. Non chômage déguisé plus ou moins. Sak fèt ki bon, fòk nou ka apresye, mais yo pas sans conséquence.
Puis devant, on va faire une analyse, on va étudier qui ça gagne dans la structure économique. Ça. Ou on va voir ces mêmes personnes qui ont encore un travail. C'est eux-mêmes qui ont pris encore. Gen moun jodi an ki chef d'entreprise li mete kanpe business an et puis la prend l'argent sou malere malere kap travay yo pou le bayona pou le bayo Fatma et puis l'argent sa ou le prend sou moun yo pa même déverser nan caisse assistance sociale yo vrai et puis le moun sa tombe malade li pa ka alo Fatma pou la prend soin li pa ka prêter nan ona parce que même grand bourgeois sa encore c'est eux même qui gen accès pour yo prêter l'argent et puis pour yo vinn priger malere malere encore donc là si sénateur ta vin expliquer m 50-50 là qui est encore qui paye pour te casser qui est encore qui prige qui est encore qui en bas est-ce que le pa wè ces population haïtienne est-ce que le pa wè ces peuple haïtien n'importe jon viré dit là avec bourgeois ou ap toujours sorti perdant na imaginez depuis campagne président Jovenel Moïse a parlé de relancer production agricole mais li presque arrivé sous fin mandat là qui ça relancer dans production agricole là. Nous gen du riz, rat manger dans la Tibonite. Après sa majorité, l'autre fruits, légumes, l'autre produit première nécessité, qui côté nous prend dans la République Dominicaine. Donc, dis-moi qui ça gagne en production nationale. Du riz pays pour l'État à subventionner, pour yon ta accompagner le président en façon pour la population de acheter du riz à bon marché, pour tout le monde de gagner dans le bon lieu ou pas faire. Et question du riz, là, c'est deux trois familles qui gagnent monopole là. Donc qui ça encore pour président de la République te bay comme avantage avec groupe bourgeois ça yo. Nous gè tout avantage économique ça nan men nou. Nous ken bon pays en otage et puis nous TV plus. Donc moi même question 50% ça, moi son absurdité totale et absolue liée. Donc qui vient rentrer gouvernement non spirale de corruption toi avec tout nèg sa yo avec tout monsieur dame dans secteur privé ça yo. C'est ça lié et c'est en réalité faut que nous ka comprendre faut que nous ka admettre li. Une chose est certaine que nous ka di loi et fort nous en démocratie et c'est démocratie ça qui ba nous liberté d'association ça yo et liberté d'association ça li généré un nombre indéfini de partis politiques et c'est à travers différents partis politiques groupement association politique ça yo qui ba nous quantité acteurs politiques ça yo. Des séries de monde qui pas comprennent rien en politique. Des séries de monde c'est l'argent qu'on vient faire en politique. Des séries de monde c'est caché qu'on vient cacher des fonctions politiques qui mènent pays en là. Nous attendons à ce que dans projet nouvelle constitution, te go organisation qui te porté sous question parti politique yo, au moins te ka structurer à travers des idéologies politiques. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, nous plein parti politique mais mandé yo qui idéologie yo gagne, youn pa konnen. Parce que son question de prendre pouvoir, son question de gérer pouvoir, son question de bain exam pour gagner élection. C'est ça seulement qui intéresse les gars fait politique dans le pays. Donc, d'autant pas gagner organisation qui fait dans la question parti politique. Pour au moins plus tard faire des élections primaires à travers différents regroupements qui fait selon l'idéologie parti. Ou qu'on a gagné trois grandes idéologies. Ou qu'on a gagné 100 partis politiques. Yo chaque yo regroupé à travers idéologie yo gen et puis a gen des élections primaires qu'a fait pour yo voyer des représentants dans différents postes qu'a gen dans différentes fonctions électives qu'a gen yo. C'est ça moi même te attendre et c'est comme ça nous ka espérer mettre stabilité dans pays. Si parti politique yo à la base yo pas structuré, pas gen organisation qui fait pays a toujours dans cache boum bizarre. Parce que tout nèg envie président, tout nèg vle président, yo vle sénateur, yo vle député, yo vle magistrat, lorsque yo pa gen bagage intellectuel pour ça, yo pa gen capacité pour ça, mais c'est ça yo vle, yo prêt pour yo tuer, yo prêt pour yo prendre les hommes, juste pour yo satisfaire ego, yo pour yo satisfaire ti intérêt mesquin yo gagne. Jusque ça quand qui le bagage ça va suspendre dans tête pays donc c'est combat ça on a mené pendant n'a dénoncer vagabond nèg qui fait vagabondage dans tête pays qui fait exaction qui vole qui participer dans corruption qui vient cacher parce que yo tuer moun yo dans kidnapping etc. N'a dénoncer mais tout n'a pas engagé nous en tant que citoyen pour nous faire ça qui doit être fait là l'élection voter moun ouais qui mérite vote là. Le gagner des activités citoyennes qu'a fait participer, fait un devoir, prend responsabilité ou,
parce que nous avons des responsabilités tout. C'est pas seulement autorité qui a une responsabilité, nous-mêmes nous avons des responsabilités vis-à-vis de tête nous, vis-à-vis de communauté là-dedans, là, vis-à-vis de pays. C'est nous toutes qui pour protéger souveraineté pays, c'est nous toutes qui pouvons avec intégrité territoire là. Donc jodi an, qu'on est qui soit gagné comme engagement en tant que citoyen, qu'on doit, qu'on devoir, pour un petit temps, prendre un petit temps, lire ça dans la Constitution, sous chapitre, sous titre, droit et devoir de la qualité de citoyen. Faut que nous qu'on est qui ça nous y est, en tant que monde, en tant qu'haïtien, li extrêmement important. Jodi an, nous fait appel ça à la conscience citoyenne pour venir émission. Parce que je suis conscient que lutte n'a mené, combat n'a mené pour changement, est extrêmement difficile. Mais il n'est pas impossible, j'aimerais me dire là. C'est comme ça, m'a mis en bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui, mais j'espère que vous apprenez en pile et par-dessus tout pour l'appliquer. Songez, je vais lire chapitre dans la Constitution qui sous qualité de citoyen, alcon droit, alcon devoir, alcon obligation gain en tant que citoyen, li important. Et puis après, on va venir une bonne nouvelle là. Principe plan li pas changé, continuez à regarder vidéo, quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous en l'icassé pour demain, sous même chaîne, non même le. Merci pour écouter, merci pour attention, merci pour fidélité. Merci à Wilson Wissessa TV pour montage et réalisation. Émission si là, des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, même voix, rien pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.